Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus au Haitian Public Media. Je suis votre serviteur Abner Jelin. Jeudi en ce samedi, et ça, c'est deuxième partie information pour aujourd'hui. Le 6 janvier, qui va le venir là, c'est vaillon gros guerre civile ici aux États-Unis entre les républicains. Et l'homme dit ça, littéralement, parti républicain lit dans une guerre civile entre eux-mêmes. On va l'expliquer. Il y a une bagaille que le président Donald Trump lui-même lui fait, c'est que l'entrée dans le parti républicain, mais nous songeait avant ces démocrates l'idée. Et après ça, il vient changer. Il vient tourner aux républicains. Et avant d'aller, il a eu une bombe et une grenade dans Paris. Et quand il y a là, il n'y a pas d'identité. Pas de monde dans le parti républicain qui est ça qui est encore. Avec que toute philosophie qui te défini qui ça est un républicain lui-même lié, eh bien, en bas Donald Trump, bagay ça lui-même li éliminé. Nous songeons autre jour là, le 14 décembre qui s'est passé là. Les électeurs, ils ont tous voté pour élu Joe Biden comme président. En pile, la République était en promettre que le 14 Cap-Vignan, là, c'est juste ça qui peut accepter Joe Biden comme président élu, si que tout État y a voté. Eh bien, ça fait vraiment vrai. Et tout républicain ça qui te promettre qui ont accepté Joe Biden, non, eh bien, en pile, non, yo, décidé pour pas accepter le toujours. Mais ce qui était important, c'est que leader, hein, en parlant de Mitch McConnell, eh bien, les deux partis républicains, lui-même, lui paraît, lui dit bon, moi-même, moi accepté aujourd'hui, hein, que Joe Biden, c'est lui-même qui président élu, et nous devons commencer à préparer pour nous capables de faire une transition en paix. Alors, lorsque les deux a fini de dire ça qu'il dit, hein, toute bagaille est supposée dans nous. Mais guess what? Ce n'est pas ça qui fait. En pile dans le monde, sénateurs et députés, ici aux États-Unis, républicains, ils ont commencé à critiquer les deux, hein, parce qu'il prend décision ça. Ça, c'est pour mes divisions. Même côté, en pile dans le monde qui fait partie de parti républicain, dit comme ça que le 6 janvier qui a venu là, yo poil fait en pile manifestation et yo poil mandé pour Congrès renverser résultat élection pour by Trump. Yon idée qui n'a pas sens du tout. Mais quand même, comme nous connaissons le plan, c'est pour continuer à pousser pour renverser l'élection, pour ne pas faire Trump fâché. Même côté, mesdames et messieurs, Mitch McConnell, il suppliait, et si je voulais utiliser le mot begging en anglais, he begs, il demandait, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, mes frères, mes confrères, pinga nous, al. Fait travailler ça parce qu'il n'est pas passé. M'pata remè que nous allons opposer Joe Biden le 6 janvier Kabila parce que c'est une idée, c'est un plan qui n'est pas réussi. Il fait qu'on est après que Mitch McConnell fin fait conférence de presse qu'il a fait pour te annoncer que c'est Joe Biden qui était président élu. Il est entré dans le cabinet en dedans, il parlait avec tout le monde, ils font une réunion secrète. Il parlait avec tout le public et il dit, s'il vous plaît, pinga nous a empêché Joe Biden certification parce que Trump perdu l'élection, pas gagné, qu'a fait le gagné encore. Malgré tout ça que Mitch dit, malgré tout effort qu'il fait, il bègue monsieur yo. Mais en pile, nan, yo m'entendait presque 126. Il dit comme ça que yo poil opposé Joe Biden, le 6 janvier, Kabila. En cas qu'on pas connaît déjà, bon, dis-nous ça, 6 janvier, ça y est. Nous songeons le 14, je passe là.
tout état yo certifié vote yo, yo voye yo bay congrès. Congrès recevoir et le 6 qu'on y a là, c'est les ça qui yo pas certifié et annoncé qui est qui pourra inaugurer le 20 janvier. Mesdames et messieurs, voici le problème. Donc gros problème là. Leader républicain accepté que Joe Biden gagne. Mais il y a un pile républicain qui pas d'accord pour yo dit que Joe Biden gagne. Selon coutume des États-Unis, vice-président, c'est lui-même qui t'a supposé li vote pour lui déclarer qui est-ce qui gagne. Donc on a vice-président qui est-ce que lié? Et c'est Mike Pence. Mike Pence qu'on y a là, mesdames et messieurs, il n'y a pas jamais accepté pour t'a déclarer devant tout le monde que Joe Biden, c'est lui-même qui est président élu. Mike Pence fait silence. La ranka parce qu'il pas voulu faire Trump fâché. Semaine qui s'est passée là, président Trump t'a relé Mike Pence dans une réunion. Et selon ça, quelques petits oiseaux font entendre, font connaître. Il dit comme ça que une bagaille qu'il t'a parlé avec Mike Pence pour Mike Pence refuser pour annoncer résultat que Congrès pour le Bali. Situation ça vient très difficile pour Mike Pence pour deux raisons. Premièrement, Mike Pence a une ambition pour le poser candidat en 2024. Décision qu'elle prend là, il est capable de craser le deux bords. Si Mike Pence a décidé de ne pas voulait annoncer les gens qui gagnent l'élection, Mike Pence a dommagé la crédibilité. Et si aussi tout le temps, le résultat, l'a blessé sentiment Trump avec tout sentiment partisan Trump. Guerre civile en dedans parti républicain. Et ça lui-même, mesdames et messieurs, I cannot wait to watch it. It's going to be one of the best entertainment que nous pouvons voir. On va attendre pour mal regarder. C'est pas ça seulement, que bah toujours. Nous songez la Chambre des députés avec le Sénat, ils ont passé, ils ont négocié 900 millions de dollars ou 900 milliards de dollars pour capable aider le peuple là. Ça qui nous est le Covid relief là. La donne, comme on t'a expliqué nous déjà, démocrate t'a demandé 2000 dollars pour chaque monde. Le républicain parti a dit non, pas d'accord. C'est 600 euros bay. Trump pas dit rien. À la fin, démocrate pas un choix, l'air passé, il est d'accord, OK, pas un problème. Bay 600 dollars après lorsque Joe Biden élu et inauguré président, après 20 janvier, nous va refaire un autre bill pour nous mettre plus l'argent. Très bien. À peine que bill a fin passé, Trump quand il apparaît, il dit qu'il pas d'accord, c'est 2000 dollars qu'il veut bay. Même 2000 dollars que démocrate demandé. Quand y a la démocrate qui tente ça, démocrate, pas un problème, let's do it. M'd'accord, puisque Trump dit 2000 dollars, on nous signe 2000 dollars. Président Trump dit 2000 dollars. Républicain parti a venu, il dit non, pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a la division. Ça, Trump dit, Républicain pas v'lil. Ça, c'est un lot. Guerre civile encore, qui existait entre eux. Parce que qu'on y a là, républicain, au lieu que le ta fait l'argent aller 2000 dollars, ça comme Trump mandé, il pas vle. Qu'on y a là, c'est républicain qu'on y a là qui bloqué 2000 dollars ça pour le pata aller joindre le peuple là. Ok, pas de problème. Le 6 janvier, pas le venir là, il y a un plan pour sacrer les MAGA Rally. MAGA Rally, c'est Make America Great Again Party. C'est moun sa yo America First Party, c'est moun sa yo qui a plaigné, qui a demandé pour renverser l'élection. Yo pral venir dans Washington DC le 6 janvier là pour faire manifestation contre Congrès pour Congrès pas certifier Joe Biden puis certifier Trump de préférence. Bagay ça pour aller un bagay extraordinaire pour qui ça?
avec plusieurs groupes qui là. Il fait comprendre que même les Proud Boys, monsieur Sayo, c'est eux-mêmes qui pour à la tête de manifestation Sayo. Il fait comprendre que dans pile zam qui déjà a avancé là pour y aller mettre sur place dans zone ça. Donc c'est possibilité qu'il y ait violence. N'a encourager tout haïtien Frenson s'il vous plaît sous nos zones là rete la caillou en nous garder en tête même dans la télévision mais on pas jamais que n'a passé dans zone ça parce que selon ça qui dit en pile bagaille ta fête. OK, déjà montré nous gon guerre civile Mike Pence avec Trump et parti républicain hein? Nous avons un leader républicain, c'est Mitch McConnell qui nous a parlé d'écouter, malgré qu'il dit non. Parce que c'est que nous sommes arrivés là. Le 6 janvier, la Chambre a réuni, le Congrès a réuni pour certifier le vote. Monsieur Sayo, dans le Parti républicain, pour l'objet, il n'y a pas d'accord pour certifier Joe Biden, c'est Trump qui a certifié. Ça n'a pas passé. C'est impossible. Mitch, comme leader, il connaît ça. Il connaît que il n'est pas capable. Non, mais problème, nan, y a là. Puisqu'il n'est pas capable, il ne peut pas voter. Il est voté qu'on y a là, en pile républicain, pas de l'autre choix, il faut aller voter pour Joe Biden. Ça, pour le permettre que les autres dans la caille, les autres dans l'État, ils soutiennent, partisans, pour le maltraiter. C'est possible, en pile, ils ont perdu position. Et c'est ça qui fait que Mitch n'a pas voulu prioriser à faire opposition parce qu'il a perdu quand même. Mais le président Trump l'a poussé pour être capable d'empêcher la certification de vote pour Joe Biden en action qu'il connaît qu'il a perdu, il n'a pas gagné. OK. On nous parle de Georgia. Actuellement, nous connaissons qu'il y a une élection en Georgia qui va être le 5 janvier. C'est là ça nous parle qu'on est qui monde qui pourra contrôler le Sénat. Il y a deux démocrates et deux républicains. Si les démocrates gagnent tous deux sites, les démocrates ont contrôlé le Sénat et c'est ça même que nous avons besoin pour que le changement soit capable de faire. C'est là que j'ai parlé qu'on y a là. Qu'on division dans Georgia et division là bon pour les démocrates. Division, c'est que parce que Trump a poussé une fausse information. Que l'élection machine n'est pas bon, l'on a voté, il y a une fraude, sauf qu'en pile monde qu'on a là qui dit qu'on ne peut pas le voter, en parlant de républicains. Which is good. Si on ne peut pas voter, démocrate a voté, si on a deux sites, c'est un gift from God, I would say thank you. Mais nous ne connaissons pas. Donc, montrons comment division est qu'on a là. OK. Maintenant, on va monter sous les médias qu'on a là, pour voir comment division est. Nous avons Fox News. Nous avons One America News Network et nous avons l'autre qui est Newsmax. Tant pilote conservative, newspapers, and then journal, et puis social media qui seulement supporte bagay right, bagay et conservative, républicain. Fox News, Newsmax, and One America Network, trois compagnies ça qui pique gros. C'est eux-mêmes qui t'a poussé conspiration que t'as une fraude dans l'élection. Il fait comprendre qu'il y a un software qui est le Dominion. C'est lui-même qui prend tout résultat élection yo qui change à Trump. Il fait comprendre que c'est Hugo Chavez, nous songeons, c'est Hugo Chavez avant de mourir qui t'a participé pour créer et machine ça pour capable prendre l'élection en main président Trump. Pas qu'il pas un sens logique du tout, mais quand même, c'est comme ça qu'il y a, c'est conspiration qui a créé. OK. Compagnie en même qui t'est créé software ça, moun qui met compagnie qui est le Dominion. Compagnie ça, li a signé ni Fox News, li a signé ni Newsmax, li a signé ni One American One Network. Li pou al mené à la justice pour ça qui est défamation. Ça veut dire que moun sa yo à cause de gens qui ont parlé mal de software, ils ont fait comprendre que t'es une fraude. Il vient créer un problème pour compagnie. Il y a les compagnies payer l'argent parce qu'il n'y a pas de monde qui fait confiance encore presque. Ça, les mêmes en bas, loi pays ça. Si on bagaille des formations que lié, dans le sens ça, il peut mener monde à la justice. Puis il paye des sommes d'argent pour mensonge ça. Et bien, semaine ça là, avocat pour Dominion, vous lettre
by tout network sa yo que yo pa mené à la justice. Guess what? Même joie tous les trois compagnies sa yo, yo commencé parler des bagages qui bon, yo commencé à changer histoire. Commencé dit que et y a checké puis ouais vraiment vrai et si t'es qu'un faute vraiment, se yo commencé changer langue yo. So vin ouais, qu'on y a là même monde qui t'a bay menti qu'on y a. Parce que yo connaît yo capable gen problème. Yo commencé à changer langue yo parce que yo connaît ces mensonges qui tout tap fait pas gen vérité nan bay la. Pour nous capable fini. Mais ça me fait connait. Joe Biden poil élu poil inauguré président. Qui voulait qu'il parle. Mais le 6 janvier poil gen l'autre gros drama poil fait, n'ta men tout a suivi parce que son bay yo bel lié. Nous poil voir côté que les républicains poil camper puis yo object. Vieux dit que ça que we are object. On nous pas avlé nous pas d'accord pour nous certifier Joe Biden comme président. N'ta men qui nous certifie Trump comme président. Ça va bien passer. Mais quand même, il pourrait y avoir un bon bagage pour garder pour télévision. It's gonna be entertaining. Président Trump, il est entré dans tout le parti. Il décide de déclarer tête comme un républicain. Il est dans le fait. Il met des divisions. Il pourrait aller la laisser un parti républicain. Qui t'en court cabrit 100 mètres. Parce que yon fragmenté. Chaque gen propre idéologie pa yon. Chaque APC konen ki sa pi yon fait. Eh bien, à la fin, histoire. Pour le juger républicain. Parce que yon te là. Et yon laisse élément ça. Président Trump détruit ou bien presque détruit pays. Nan mwen se Abner Jelen pour Haitian Public Media. Passons bonne soirée, bon dimanche, bye bye.